Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. De retour pour une petite vidéo en extérieur. Il y a longtemps que j'avais pas proposé ça. Et en plus c'est ce qui me fait vraiment le plus de bien je crois. Alors j'espère que pour vous ça se fera sentir et que ce soit autant agréable, si ce n'est même plus ou pas, je sais pas. Peut-être que c'est mieux quand on est dehors aussi en fait que sur un écran. Mais en tout cas de s'imprégner du bruit et des énergies du lieu. Voilà, j'ai la chance aujourd'hui d'être dans un endroit magnifique, au calme, il fait beau, pieds nus dans l'herbe, et voilà, et je me suis dit, le 22, c'est la nouvelle lune, alors quels sont les messages pour cette nouvelle lune? Alors, j'ai envie de vous partager aussi que, je sais pas si c'est le lieu, le maintenant, je vous ferai peut-être dans une autre vidéo, le fait que j'ai été absente pendant un certain temps sur ce canal de diffusion. Et voilà, je ressentais le besoin en fait de me reposer beaucoup parce qu'après l'emploi que j'ai re-exercé durant ces 4 derniers mois, ça a été très compliqué à gérer pour moi. Enfin, je pensais que j'étais très forte. Et en fait, pendant le confinement, la chute est arrivée. Ça m'a fait comme un effet burn-out, en fait. Donc voilà, pas très présente avec vous. En tout cas, par le biais des vidéos. Mais pourtant, je pensais fort à vous aussi. Et voilà, et simplement, la priorité, c'était de prendre soin de moi, de ma santé, de mon moral aussi, qui était quand même très, très bas. Voilà, je dis pas que c'est toujours funky, mais que ça se stabilise. Voilà, pour ceux et celles qui demandent de mes nouvelles, et voilà, gratitude à vous, je vous en remercie infiniment. Vous m'apportez énormément, vraiment, depuis le démarrage de cette aventure YouTube, de recevoir autant d'amour, c'est juste énorme. J'ai aussi beaucoup douté de plein de choses, remise en question, qu'est-ce que je fais, l'impact que ça a, quel type de personnes peuvent suivre aussi mes vidéos et quelle approche je peux avoir de plus respectueuse pour tous en fait, parce que j'ai conscience que certains de mes propos peuvent aussi peut-être toucher certaines personnes ou de mes états aussi, parce que je partage aussi des moments de ma vie qui sont parfois pas simples. Mais voilà, j'ai aussi envie, moi, personnellement, en créant ce canal qui me ressemble, de partager de moi, dans toutes les couleurs de la palette. Et voilà, mais je préfère quand même partager quand c'est chouette comme ça, quand même. C'est plus sympa à partager comme énergie. Donc voilà, je préférais m'abstenir pendant ce temps et revenir avec plus de force et d'énergie. Voilà. Alors, j'ai acheté Oshozen Tarot. J'ai eu envie, il y avait un moment qui m'appelait et puis là je l'ai pris. Donc c'est parti. Je me permets pas de spécialement de demander ou je pense que les messages en fait arrivent de façon pertinente et claire pour ceux qui auront le cœur ouvert et puis ceux à qui ça parle pas, c'est pas forcément qu'ils n'ont pas le cœur ouvert, attention, c'est juste peut-être que les messages que j'aurai à transmettre aujourd'hui par le biais de cette lecture vous parlera pas parce que j'en sais rien en fait. Parce que c'est peut-être il y aura peut-être d'autres personnes à qui ça parlera et vous, il y aura peut-être d'autres personnes que je voulais dire qui vont vous transmettre d'autres messages qui vous correspondront plus. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait un mélange de mots là, bonne. Ça c'est fou, j'ai l'impression que c'est comme une rentrée des classes de reparler devant une caméra. C'est trop bizarre. Pourtant, je suis super contente, non? Oh, il y a quelqu'un qui va passer. Alors, je vais attendre avant. Parce que c'est intimidant quand il y a des gens qui passent. Ça me gêne. Alors, je vais attendre un peu. Il est passé, c'est bon. La voie est libre. C'est couillon, quand même. Pourquoi? On s'en fout. C'est vrai que je suis assez admirative des personnes qui par exemple partent avec leur GoPro comme ça dans la rue, les gens les regardent, ils sont comme ça. Moi ça me gêne.
ça m'intimide. Vu que c'est un espace un peu intime, à ce moment-là, je trouve que c'est... Et pourtant, c'est diffusé quand même. Vous êtes 10 000 à suivre cette chaîne. Donc, bon. Mais c'est de l'intimité quand même. C'est pas mal. Allez. Allons-y, les amis. C'est parti. J'espère que vous allez tous bien. Que la reprise, pour ceux qui ont repris une activité, se déroule bien. Que pour ceux qui c'est encore peut-être en stand-by, activité, eh bien que des idées maturent ou mûrissent afin qu'elles soient florissantes pour vous, votre vie, votre bien-être, votre équilibre de vie. Et on va demander... On va faire en croix. Première carte. Ouh, ça y est. Ça arrive, ça arrive. Ouh, eh bien. Hop et hop. Ok. Alors en dos de deck, ici on a le stress. Je vous la montre. Énergie de feu. Ici, ce que ça me raconte, c'est que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'insécurité. Alors, ça peut être des insécurités émotionnelles, ça peut être des insécurités, je pense comme beaucoup de personnes, hein, et moi inclus, des remises en question, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on peut faire, comment s'adapter au mieux à cette situation. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est passé. Donc, j'ai l'impression que pour certains, il y a comme une légèreté où, dans le passé, peut-être que pendant cette période de confinement, vous avez eu cette période de stress. Peut-être que, pour ceux qui sont en couple, avec une personne peut-être à qui ça ne se passait pas forcément facilement, voire même violemment pour certains, il y a plusieurs cas. Hein, je ne sais pas quel type de personne peut m'écouter et tout ça, mais enfin, quel type de personne. C'est pas pour dire que c'est un type de personne, mais... J'ai conscience que dans la nature humaine, on traverse tous des épreuves et des expériences humaines, relationnelles aussi diverses et variées. Voilà, c'est pour me reprendre le type de personne, je trouve pas c'est très cool. Donc voilà, et je pense que voilà, et pour ceux qui avaient peut-être aussi des enfants dans leur foyer à s'occuper, etc., peut-être que ça a généré beaucoup de stress, beaucoup de préoccupations. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas eu finalement le temps qu'ils auraient voulu de prendre soin d'eux. Est-ce qu'il y a eu de ça aussi? Je ne sais pas. Alors, on va voir. Ah ben, c'est marrant parce que... Alors, ce qui est... On va dire dans l'énergie féminine, ce qui est passé en fait. Dans l'énergie passive, on a le sentiment de se sentir exclu. Ici, on a peut-être pour certains le sentiment de se sentir abandonné, enfermé... incompris ou rejeté dans une envie peut-être profonde, quelque chose que vous n'auriez pas osé accueillir vous-même, qui fait que vous appréhendez peut-être le fait de l'exprimer librement. C'est comme si, en fait ce que ça me raconte, c'est comme si il y avait eu une période dans votre vie où vous vous êtes senti exclu. Qui vous a généré énormément de stress, d'angoisse émotive liée à ce stress-là. Donc là, ça peut remonter à loin parce que sur cette carte, on a l'enfant. Donc pour moi, ça me parle vraiment c'est une blessure originelle que chacun et chacune a vécue à sa façon, pour certains ou pas, hein, pour d'autres, ça va dépendre. Il est possible aussi que certains d'entre vous, un deuxième message arrive, il y ait la difficulté à assumer son enfant intérieur, à assumer l'envie de vivre librement ses plaisirs, ses envies, sa spontanéité, sa créativité, sa musicalité, enfin plein de choses comme ça, vous savez, de se sentir libre dans nos expressions artistiques, au sens large en fait, comme... Vu que c'est général, j'essaie toujours de mettre les formes de façon à ce que... Donc il y a ça,
comme deuxième message qui me vient. Dans l'énergie, on va dire yang, l'énergie d'action, l'énergie de feu, on a le partage qui est renversé. Donc ici, ça me parle, ça fait le lien avec finalement ce qui a été et ce qui est aujourd'hui. Je vous les remets à côté. Peut-être une difficulté justement à partager finalement votre beauté intérieure. Quelque chose que vous avez caché précieusement là. Ça me fait rire. Alors je pense que c'est quelque chose qui est, que vous savez au fond de vous que vous êtes et que vous ne voulez pas dévoiler. Comme pour préserver votre joyau. Et à la fois, je dirais, il y a une forme de protection saine de ne pas dévoiler non plus tout. Mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu dommage, c'est que c'est comme s'il y avait tamis, comme ça, sous le tapis, un potentiel existant voilà, qui rappelle cette blessure-là ou cette peur de se ressentir exclu ou différent. Il y a un truc un peu comme ça. Et pourtant, là, j'ai l'impression que le message pour cette nouvelle lune, étant donné qu'on va partir dans un nouveau cycle, je pense que c'est quelque chose qui est en train de bouger pour vous. Dans l'état d'esprit, on a l'amitié. J'adore, elle est magnifique cette carte. On parlait de la nature, l'enracinement, l'ancrage. Donc là, on voit bien, vous voyez, avec les couleurs de l'arc-en-ciel, qu'il y a vraiment l'envie d'enraciner et de partager quelque chose de lumineux, de coloré, de joyeux, plein d'amour. C'est un peu comme revenir à notre état d'enfant, quoi. Alors, je sais bien que dans tout ce qu'on vit, on a aussi une part de lucidité hein, sur certains événements qui se manifestent autour de nous. Mais ici, j'ai plutôt l'impression que... il y a une force qui est en train de se déployer ici, de s'enraciner en vous et qui mature en fait de façon à partager avec plus d'harmonie en fait. Comme si, vous voyez, vous allez ancrer vos ressources. C'est ça que je ressens ici en fait. On a cet arbre là, ces deux arbres en plus, donc vraiment ça fait vraiment un lien avec l'idée du partage. C'est vraiment ce que vous souhaitez ici, j'ai l'impression, mais vous n'osez pas. Voilà ce que ça me dit. Pourtant, c'est chouette, là, ce qu'il y a à partager. Qu'est-ce que c'est, au jour d'aujourd'hui, que vous souhaitez peut-être vivre? Peut-être une vie à deux, une vie en couple. Peut-être, voilà, une vie... pour ceux qui sont seuls, célibataires, ils ont certainement envie de partager leur vie, leur amour, etc. De se découvrir et découvrir aussi leur partenaire. Il peut y avoir ça. Ça parle de l'amitié, hein. Donc, en fait, voilà, pour moi, l'amitié, c'est... Ça part aussi de ça, cette forme de connaissance, de temps de se découvrir, etc. Alors, on va voir ce que ça nous dit pour la suite. Il y a un bruit, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Ça m'a perturbée. Moi aussi, je cache. Je suis en direct du tirage, là. La peur de se sentir exclu parce qu'on est comme on est et du coup on ne veut pas partager avec tout le monde parce qu'on sent bien qu'on va passer pour des zinzins. C'est pas facile hein, de toujours assumer. J'avoue, ben voilà, on a un direct live. Oh non, pourquoi? Ouais, bah c'est marrant, ça me parle beaucoup. Alors. Le centre du tirage, on a l'isolation. La montre, elle est un peu triste. Elle est en lien avec l'énergie des nuages en fait. C'est l'idée de quelque chose de mental qui freine en fait à l'épanouissement. Donc il y a bien un frein dans la tête, un brouhaha, un brouillard un peu. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on peut penser de moi si machin, si cela. Donc on préfère s'isoler par peur de peut-être du jugement, par peur de se sentir. Prétentieux, ou pas assez ceci, ou trop cela. C'est l'arcane du centre, celle-ci, l'isolation. Je vais la lire avec le petit livre, parce que des fois il y a des messages par le livre que j'aime bien. J'y vais au feeling et puis après on complète. Et alors... Et on a la banalité qui est renversée ici.
Donc en fait, la banalité, c'est comme si bah, justement, il y avait... Il y avait un potentiel de... On est tous uniques en fait, on a tous quelque chose, une fibre, quelque chose à communiquer, à partager, à aimer, à... ou pas, hein. Il y a des gens qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas toujours, mais oh non, il y a quelqu'un qui arrive, je ferai une pause le temps qu'il passe, le temps qu'il arrive. Mais en tout cas, voilà, il y a l'idée de... Parce qu'on sent qu'il y a une originalité ou quelque chose qui peut être en décalage avec une forme de généralité qui peut être difficile à communiquer, à partager. Et donc pour cela, on préfère l'isolation. Mais en fait, peut-être que si on déverrouille ce nœud mental, en fait on s'aperçoit qu'on est en danger nulle part. Le frein, il est juste là-dedans, quoi. Il est juste là-dedans. Puis on voit vraiment quelqu'un avec des larmes, quoi. Donc c'est vraiment quelqu'un qui se sent triste et isolé. Alors on va voir ce que nous dit le message de la carte. Numéro number 3. Alors, je vais vous la lire, ça vous dit. Isolation. Vous pouvez soit vous trouver au sein de l'existence, soit vous centrer dans votre ego. Les deux ne sont pas possibles en même temps. Lorsque vous focalisez votre énergie sur votre ego, vous êtes isolé de l'existence. Vous vivez sur une île entourée de frontières que vous avez vous-même dressées. Pour vous, il n'existe que le moi et le non-moi. Cette cassure, c'est l'ego, un état d'isolement qui vous rend rude. Votre énergie n'est pas fluide mais bloquée. Les gens deviennent alors des cubes de glace. Ils sont totalement dénués de chaleur. Ils n'ont pas d'amour. La chaleur de l'amour peut les faire fondre et les frontières disparaissent. Dans l'amour, tout comme dans la joie, il n'y a pas de séparation. Ni l'amour ni la joie portent en eux la froideur. Et encore un message, ça dit « Les larmes multicolores du personnage de cette carte ». J'ai perdu la ligne que j'étais en train de lire. Les larmes multicolores du personnage de cette carte représentent la porte à franchir pour sortir de l'isolement. Les larmes, et seulement les larmes, ont le pouvoir de faire fondre la glace qui s'est instaurée en nous. Il est curatif de pleurer et il n'y a là rien de honteux. Pleurer aide à se libérer de ses souffrances. Nous devenons plus tendres et doux envers nous-mêmes et nos larmes contribuent à notre guérison. Donc en fait, j'ai l'impression qu'en fait, on s'en demande peut-être beaucoup. Beaucoup d'exigences, de quête de perfection, de ceci, de cela, de jugement de valeur. En fait, peut-être qu'il y a de l'auto-sabotage, de la condamnation, de la culpabilité, ce genre de choses. Et en fait, ici, j'ai l'impression qu'en fait, vous prenez en main votre être, en fait. Comme si vous serrez fort dans vos bras en vous disant, mais en fait, c'est ok. Ok, j'aurais peut-être mieux aimé communiquer de cette façon-là avec cette personne. J'aurais peut-être mieux... préférer vivre une situation d'une autre manière. Mais en fait, il y a des fois, on n'a pas toujours eu les bons réflexes, les bonnes ressources à ce moment-là, et c'est ok, en fait, et c'est parfait. Et parfois, ben, peut-être que d'accueillir simplement les événements du passé, en accueillant aussi notre tristesse, quelque chose où on s'est senti vraiment rejeté, dans le désarroi, désespéré, etc., ben, à vous d'en prendre soin, en fait, et de lâcher prise. Et vraiment accueillir vos émotions, c'est aussi ce qui aide à nettoyer, à purifier, à apaiser aussi peut-être des choses qui sont retenues à l'intérieur. Voilà. C'est un peu comme si il y avait un renouveau vis-à-vis du relationnel, en fait, ce que je ressens pour cette nouvelle lune. Et ça, c'est ce qui va s'harmoniser, se nettoyer, se libérer. Mais en fait, pour faire place à une nouvelle énergie, il faut. J'ai pas la prétention de dire il faut que ce soit comme ça, j'en sais rien. C'est ce qui me vient comme message, mais je pense qu'il faut libérer certaines choses pour en accueillir de nouvelles. Si la coupe est trop pleine, on peut pas accueillir quelque chose de nouveau. On sature, en fait. On peut pas y avoir de nouvelles, parce qu'on ferme le couvercle, il est plein. Et le vider, c'est peut-être par la voie des larmes que des fois,
ou l'urine, la baignade. En plus, il commence à faire beau. Alors, selon où est-ce que vous habituez à vous habiter, bah, peut-être que la baignade, tout ce qui est source d'eau. Mais là, ça parle vraiment quand même de l'émotion. Il y a vraiment une blessure liée à l'exclusion qui vous a, je pense, beaucoup fait souffrir. Ce message me parle aussi très fort. Donc, qu'est-ce que... Écoutez. Le passé reste derrière, même si on a un regard lucide sur les choses que l'on aurait souhaité, les échecs par exemple, qu'on peut vivre comme des échecs, on a un regard lucide sur certaines choses sans pour autant se laisser envahir par la peur du passé. Et donc, au moment présent, vous êtes des tisseurs pour vous autoriser à croire en quelque chose de neuf, de beau, de lumineux, de généreux, de doux. Elle est magnifique cette carte. J'adore. Je vais vous lire le monsieur. Du coup, j'ai parlé même si avait le monsieur est passé avec son chien. Je lui ai même pas dit bonjour, j'étais à fond. J'ai fait un travail sur l'exclusion hein, en direct avec vous. Enfin, vous l'avez pas vu passer, mais. Ah, oh, purée. Alors, l'amitié, c'est en lien avec les émotions, cette carte. Méditez avant tout. Étant serein, l'amour viendra à vous de façon naturelle. C'est ça quand je disais d'accueillir la nouveauté, c'est faire de la place. Il sera tout aussi beau et merveilleux d'être seul ou en compagnie d'autres personnes. Tout sera simple. Vous ne dépendrez pas des autres et les autres ne dépendront pas de vous. Vous vivrez dans une sphère amicale et affective où seule la relation véritable existe et non l'attachement. Waouh. Vous créez une relation avec quelqu'un sans pour autant vous marier. Les mariages reposent souvent sur la peur. Les relations authentiques ont l'amour pour base. De telles relations se poursuivent aussi longtemps que règne le partage et la beauté. Mais lorsque les routes se séparent, le moment est venu de se quitter. Les bien-aimés se font des adieux avec gratitude, remerciant chacun l'autre d'avoir joué un rôle important dans sa vie, d'avoir partagé tant de joie, de plaisir et de beaux moments. Lorsque les gens se sont vraiment aimés, ils se quittent sans déchirement et sans souffrance. C'est vrai. Enfin, c'est vrai. Moi, j'ai un souvenir d'une personne avec laquelle on s'entendait très très bien. Et aujourd'hui, on ne communique plus parce que c'est une personne qui a fait sa vie, qui est papa maintenant, donc avec sa copine et tout ça. Mais... Et c'est vrai qu'on est... Ça me parle beaucoup, ce message fort de garder un lien fort parce que... Bah oui, il y a des liens forts d'amour qui restent. Même si la séparation physique c'est fait, que les chemins se séparent pour toutes les raisons possibles, ça n'empêche pas qu'il y ait encore de la place de l'amour. Et je pense que c'est le meilleur en fait qu'on a à cultiver dans chaque chose. Votre vie et vos relations connaissent une nouvelle forme d'amitié. Vous remarquez peut-être que les mélodrames et les relations romantiques ne vous intéressent plus. Ce n'est certainement pas un passage où vous perdez quelque chose, mais une nouvelle phase, celle de l'avènement d'une qualité d'amour supérieure, née de votre plénitude intérieure. Voici venir l'amour inconditionnel qui n'attend rien, qui n'exige rien. Waouh ! Beau message, hein ? Voilà. Je pense que bon nombre d'entre nous avons fait l'expérience de beaucoup de remises en question hein, durant cette période de confinement, revenir à soi, le bilan comptable. Ben voilà, voilà. Si on veut avancer, on est un peu obligé à un moment donné de s'arrêter, quoi.
pour regarder un petit peu où on en est, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, on va où. Des fois, il y a des prises de conscience qui font pas spécialement plaisir, qui sont pas agréables. Et pour autant, elles sont vraiment bénéfiques parce qu'elles sont moteurs pour aller de l'avant. Donc j'adore, hein, super. Je suis très heureuse de ce tirage. Je pense qu'il y a une belle... Comment je peux le nommer? Je cherche le mot. Guérison, ça pourrait être le mot, mais je cherchais un autre mot. Libération. Voilà. Il y a comme une libération d'un fardeau, d'un poids qui est là depuis très longtemps. Qui est en train de se... s'alléger, quoi. Comme lâcher du lest. Et du coup, ça vous permet de redresser le dos. Moins comme ça, vous savez, ça vous redonne un... vous déployez grâce à ça. C'est magnifique. Pour accueillir l'ouverture. La posture aussi, c'est important. Hein. On s'en aperçoit dans les relations aussi, ou comment est-ce qu'on se sent quand on est à l'écoute vraiment de nos mécanismes et tout. On s'aperçoit quand on se sent tout timide ou renfrogné, on va être tout comme ça, machin, comme ça. Et puis voilà, quand on est optimiste, souvent on a tendance à être tout comme ça, genre comme un i. Genre, voilà, parce que c'est parti, quoi. Parce que là, présent et ouvert. Ouais, y a quelque chose de comme ça. Acceptez votre authenticité, votre originalité. Je pense que beaucoup d'entre vous sont... fantaisiste mais qui n'ose pas le faire ou l'être. Alors c'est tellement dommage en fait, parce que c'est ça votre cadeau. Voilà. Donc sortez de l'isolation, sortez, allez voir des gens qui avec lesquels vous vous sentez bien aussi. Il ne faut pas se forcer à sortir pour sortir non plus, si on ne se sent pas bien avec les gens qu'on rencontre aussi. C'est pas... Mais voilà, il y a l'idée de toute façon sortir, s'aérer. Que vous soyez seul ou accompagné, c'est sortir de l'isolation. Oser explorer des choses nouvelles, des activités, des choses que vous ne faisiez pas avant, que vous autorisiez peut-être pas. Voilà. Voilà, voilà. Je ne regarde pas beaucoup la caméra quand je fais les lectures. Surtout quand je suis dehors, j'ai tendance à être... Voilà, vous ne voyez pas de... J'espère que ça sera accueilli... tranquillement, avec bienveillance, hein. C'est pas quelque chose de... Voilà. Bon, ben, j'espère que cette lecture vous aura plu. Pour moi, c'est ok. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune en ce 22 mai. Ah oui, puis en plus, demain, c'est l'ascension. Donc, enfin demain. Je fais cette vidéo le 20, donc ce soir, le temps qu'elle charge, parce qu'elle met un temps fou avec mon ordinateur en ce moment à charger, donc je vais essayer d'aller courter, elle fait déjà 30 minutes. Voilà, plus ça sera courte et mieux ça sera pour le temps de chargement. Donc voilà, l'ascension, selon le calendrier grégorien, le 21. Donc c'est plutôt bon signe parce que c'est marrant, même dans les énergies. Déjà ce matin, je me suis levée tôt, il y a un autre entrain qui est en train de se mettre en place. Un autre entrain qui est en train. Oui, Brésilien. Mais voilà, c'est comme ça que je le perçois, que je le vis. Alors je le partage aussi. Peut-être ça va vous parler. Voilà. On ressort de la coquille, mais tranquille, quoi. On prend son temps, on fait les choses à son rythme. Et n'ayons plus peur d'être nous-mêmes ou de se sentir exclus. De toute façon, il y aura forcément des gens qui critiqueront, il y aura forcément des gens avec qui on ne va pas s'entendre. Ben, et alors, c'est ok. C'est ça qui fait la richesse aussi des individus, c'est qu'on soit différents. Si on était tous pareils, ça serait un peu chiant, quoi. Enfin, je dis ça, mais bon, quand je me confronte à des personnes ou des débats qui sont complètement différents du mien, je suis pas là en mode « oui, la différence est fantastique !» Non, non. Trêve d'hypocrisie, hein, faut pas non plus... Des fois, voilà, il y a des choses qui viennent nous frotter. Mais... Voilà. Accepter sa différence, accepter les valeurs, les causes que l'on défend.
Et puis parfois, on s'aperçoit aussi que grâce à d'autres, eh ben, les causes qu'on défend, elles peuvent aussi, elles aussi, être remises en question. Je crois qu'on a tous les jours quelque chose à apprendre et de tout le monde. Donc voilà. Bon allez, je vais arrêter cette vidéo, sinon je vais partir. Voilà, ça m'a fait super plaisir de refaire une vidéo comme ça avec vous, spontanément, dans cet univers nature entouré des oiseaux. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune, prenez bien soin de vous, je vous embrasse tous bien fort, où que vous soyez, Afrique, Québec, tous, partout, où est-ce que vous êtes dispatchés. One love, united. Gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.